Bon, et normalement, je dis là, nous sommes niveau parquet. C'est parce que nous venons pour finaliser le processus libération Pierre Nicholson alias Bab. Le sieur Pierre Nicholson alias Bab, un militant très influent, a été arrêté pendant qu'il se rendait à un restaurant pour aller manger. Et nous-mêmes, comme avocats, après avoir initié des démarches, nous constatons que le mandat, c'est un mandat d'amener qui a été émis par le substitut du commissaire, Eunide Lejeune. Et en d'un mandat, il a été mis destruction, incendie, menace d'incendie, pillage. Et ce qui nous a stupéfiés, c'est que le mandat a été mis le 16 septembre. Et mandat exécuté 16 jours après. Ça veut dire ça. Ça a constitué en irrégularité parce que le commissaire du gouvernement, au regard de l'article 33 du code d'instruction criminelle, le commissaire du gouvernement émet des mandats sauf en cas de flagrance. C'est très important. Il dit un commissaire du gouvernement n'a pas qu'à émettre un mandat en cas de flagrance. Alors, si pas de flagrance, pardon. Et Bab a été arrêté sans aucun procès verbal de flagrance. C'est la première irrégularité. Maintenant, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons appelé le commissaire du gouvernement. Maintenant, nous dit le magistrat où émet ton mandat, pas un flagrance. Maintenant, il dit que le patron. On a été voir Bab au niveau du commissariat du Canapé Vert. Et même côté, il y a des affaires dans le niveau commissariat, pas au presse. Maintenant, le cabinet avocat Sophie, accompagné de Force N57, cabinet d'Oval, cabinet de la Bazoche, qui s'en fait, on a dressé une requête sollicitant une liberté conditionnelle. C'est très important. Parce que pas de flagrance, pas de juge de paix qui était rédigé un procès verbal de flagrance, nous-mêmes comme avocats, on dit soucieux de l'application de la loi, on a dressé cette requête et suite à la rédaction de cette requête, le commissaire du gouvernement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a émis un ordre d'extraction. Là, on a parlé de ordre d'extraction, avait dit c'est prendre un prisonnier, prendre un prévenu, sorti pénitentiaire, fini dans l'espace. Donc, je dis à là, nous-mêmes comme avocats, nous-mêmes qui a défendu valablement Pierre Nicholson alias Bab, nous sommes là aujourd'hui pour assurer la plaidoirie d'une parfaite défense pour le militant Pierre Nicholson alias Bab. Et je dis à là, nous confions qu'on avait une libération Bab. Et je nous-mêmes, à travers collectif des avocats pour la défense des droits de l'homme MFL, nous allons remuer ciel et terre afin de permettre à tous les militants, généralement quelconques, de recouvrer leur liberté. Et permettre de tout profiter pour nous dire, mon Nicolas, que Gumba qui a passé dans la prison, là, c'est grave. Ce matin, il y a 4 prisonniers qui mourent dans le niveau pénitentiaire national. Ce matin, elle dit, là, nous-mêmes, comme avocats qui défendons le monde, nous, pas assurer le travail que nous faisons. Si M. Anel Rémy pas là, si M. Théophile pas là, si notre avocat pas là, elle dit, il y a pile de militants qui mourent dans la prison. Donc, je dis à là, nous sûrs que nous venons là, un, pour assurer la défense BAP, assurer que BAP pas dormi dans la prison et continuer la bataille pour l'autre prisonnier, l'autre prévenu, par le groupe dans la prison pour mourir.